Je voudrais, mesdames et messieurs, que l'on accueille donc Serge Morvan, qui est le commissaire général à l'égalité des territoires et qui va donc conclure cette, cet après-midi, cette table ronde, avant bien sûr le, le dîner officiel à 20h. Monsieur Morvan, euh, vous avez la parole. Je vous la cède. Je vous en prie. S'il vous plaît, quelques applaudissements peut-être pour accueillir. <laughs> Merci beaucoup ces applaudissements, j'espère que ça sera pareil après. Mais, mais euh, je vais essayer. Je vais essayer. D'abord, euh, Monsieur le Président de la PVF, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, vous dire, euh, et ce n'est pas un, un mot en l'air, mon plaisir d'être ici à Autun et d'être ici dans ces journées de la PVF. Alors un plaisir qui est évidemment lié à ma prise de fonction assez récente puisque c'était le 23 avril dernier comme commissaire général à l'égalité des territoires et également euh, comme préfigurateur je vais y revenir de l'agence nationale de la cohésion des territoires et évidemment deux fonctions liées mais pas identiques et deuxièmement et surtout parce que il se trouve que j'ai été directeur général des services du Conseil général de Saône et Loire pendant presque quatre ans et j'ai donc eu l'occasion de venir dans cette salle à de multiples reprises avec le président du Conseil général de l'époque, Christophe Serugue, qui était donc mon président, et avec le maire d'Autun de l'époque, c'est à dire Rémi Roberoth, mais qui est aujourd'hui, je crois, député en marche ici. Et puis, parce que j'ai été directeur général des services aussi, un peu plus tard, du Conseil général de Seine Maritime. Et que donc je retrouve avec plaisir Christophe Bouillon, Dominique Chauvel et d'autres hein, qui sont qui sont ici présents. Donc vraiment, euh, il se trouve que j'ai eu à de multiples reprises l'occasion d'être directeur général des services de collectivités territoriales, ce qui me permet de comprendre un certain nombre de choses. Je vais y revenir, qui gênent que ce soit les petites villes de France ou les autres collectivités dans leur relation, notamment avec l'État. Alors, je ne vais pas forcément clôturer proprement dite la, la table ronde, même si j'aurai à l'occasion évidemment des choses à dire sur ce qui s'est dit sur la table ronde et je les dirai dans mon intervention que je vous promets être pas trop longue. Si je vous dis qu'elle est rapide, là j'aurai peut-être des, des difficultés, mais pas trop longue. D'abord parce que le commissariat général à l'égalité des territoires qui, à mon avis, est insuffisamment connu dans les territoires, alors que, justement, il, il est normalement en charge au sein de l'État de ses relations avec les territoires, mais forcé de constater qu'il n'est pas toujours aussi connu que ce que j'aimerais et que ce que mes prédécesseurs aimeraient. Alors c'est vrai qu'il est récent, puisqu'il a 4 ans, mais malgré tout, on, on continue à me parler de l'ex-datar, et là, quand je dis datar, là, là effectivement c'est beaucoup mieux connu, ou quand je dis délégation interministérielle à la ville, lorsqu'on est dans les quartiers politiques de la ville. Mais malgré tout, il y a plusieurs actions du Commissariat général à l'égalité des territoires qui ont été faites, fait, qui ont été montées avec, en partenariat, notamment avec la PVF ou avec les petites villes de France ou avec les autres collectivités territoriales ou plus généralement, comme on dit aujourd'hui, avec les territoires. Alors je ne vais pas revenir sauf... Rapidement sur l'expérimentation qui avait été lancée en 2014 sur la revitalisation des centres bourgs, qui a permis évidemment de soutenir 53 lauréats, c'est pas beaucoup quand même, 53. Ça a eu effectivement une vertu. Ça nous a permis aussi d'identifier des axes d'amélioration, et notamment sur le fait que cette démarche centre bourg était trop axée sur le logement et l'habitat. Et qu'il faudrait certainement avoir une action beaucoup plus globale. Et évidemment, le nombre restreint de lauréats retenus est loin d'avoir épuisé le sujet, bien sûr. Aujourd'hui, on a un nouveau programme qui a été lancé il y a quelques semaines, qui concerne pour partie les petites villes. C'est le programme Action Cœur de Ville. Alors, le programme Action Cœur de Ville, il y a beaucoup, enfin il y a plusieurs acteurs, donc tout le monde, évidemment peut en parler, que ce soit la Caisse des dépôts, que ce soit Action Logement par exemple, ou que ce soit l'ANA ou l'ANRU, mais le pilotage est effectué effectivement au Commissariat général à l'égalité des territoires, pilotage politique sous l'autorité du ministre. Donc euh, bah, il y a 81 communes de moins de 10 000 habitants à peu près qui sont soit euh, retenues, 79 me dit-on, mais qui sont soit retenues, soit dans le territoire d'un EPCI retenu. Au titre de cœur de ville, et il y a autant. Donc, par exemple. Mais au-delà de ces programmes, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes à la croisée des chemins, peut-être. En tout cas, nous sommes à un moment où il faut impér impérativement changer les choses, et d'abord au sein de l'État. Et je le dis vraiment là, avec solennité, il faut changer les choses. Il y en a marre. Hein, pour le dire simplement, il y en a marre de, de ces décisions qui mettent, euh, je ne sais pas combien d'années, après, euh, à être validées par l'État, accompagnées par l'État. Et quand elles sont accompagnées par l'État, elles le sont euh, chacun des opérateurs qui intervient, intervient sur son secteur avec ses règles, avec ses taux de retour sur investissement, avec son périmètre d'éligibilité. Un ancien président. Il y a peu de temps, de la PVF. Par ailleurs, maire d'Annonay, je pense que ça va vous aider à trouver qui c'est, me disait, il y a deux jours, il me disait quand lui, il a lancé un programme à l'intérieur de sa commune pour lequel il y avait à la fois une partie en quartier politique de la ville, quartier en rue, on va dire ça comme ça, puis des copropriétés dégradées, donc partie ANA. Eh bien, l'ANA pouvait intervenir sur un périmètre qui n'était pas le même que celui de l'en donc, résultat, il y avait une route, une voie, à l'intérieur de, des quartiers qui étaient concernés, sur lesquels on pouvait faire les travaux jusqu'à la moitié de la voie. Alors, l'autre moitié, je ne sais pas, je lui ai demandé s'il avait mis des, des panneaux disant euh, Veuillez traverser obligatoirement pour, pour pouvoir effectivement faire les choses. Mais au-delà de, du caractère un peu surréaliste de, de ce que je viens de dire, c'est votre quotidien, je le sais, je vous ai dit que je l'ai connu aussi en interne collectivités locales qui est celui de lancer une idée politique, d'attendre deux ans pour qu'on ait un comité d'engagement, deux ans après un comité de financement, deux ans après le déblocage des crédits, deux ans après le début des travaux, donc huit ans c'est le minimum quoi. Donc ça c'est plus possible, enfin je ne crois pas que ça n'a ça jamais été possible, mais, mais aujourd'hui c'est plus possible. Et donc, il faut renverser la table ou renverser la perspective. Il faut qu'enfin, et je le dis, c'est moi qui le dis, hein, donc, il faut qu'enfin l'État accompagne les élus, leurs projets, en partant de leurs projets et pas forcément de ce qu'on a décidé à Paris comme étant ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, alors euh, évidemment, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous assure. Que c'est ce que je veux proposer, évidemment, au Premier ministre et au président de la République qui m'ont confié cette mission. C'est-à-dire, on part d'abord du projet local, et on fait, on arrête un peu, même si ça a des vertus. Hein, je ne veux pas dire le contraire. La multitude d'appels à projets, pour lesquels, à la fin, c'est à peu près toujours les mêmes qui obtiennent euh, satisfaction. Parce que qu'est-ce que c'est un appel à projet un appel à projet, c'est quelque chose qu'on a décidé nous, en centrale, comme étant bien. Et donc on se dit, ben tiens, si vous voulez bénéficier un peu, pas beaucoup, mais un peu d'aide de l'État, eh ben on va d'abord faire un appel à projet. Quoi. Et comme ça, vous êtes dans la politique de l'État, vous êtes dans la réflexion que nous menons, et évidemment, c'est ceux qui ont l'ingénierie et la possibilité de répondre à ces appels à projets parfois très techniques, qui obtiennent le pompon et qui effectivement obtiennent satisfaction. Alors je n'ai pas dit qu'il fallait tous les supprimer. Parfois, évidemment, pour les besoins de, de, de l'intervention, on, on va un peu trop loin. Mais malgré tout, il faut arrêter de passer quasi exclusivement par cela aujourd'hui. Donc partons de vos projets, simplifions, et d'abord qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier Il faut simplifier, je vous l'ai dit, les opérateurs de l'État, l'action de l'État. Il faut certainement revoir ce paysage intéressant, je n'ai pas dit, et je ne voudrais pas me faire des ennemis chez mes collègues, mais euh, l'ANA, l'ANRU, l'ADEME, euh, les PARECA, euh, le CEREMA, enfin bon, je pourrais en citer euh, encore d'autres, je suis sûr que vous les connaissez. Et Ils ont tous leurs vertus, leurs qualités, et la qualité de leur personnel. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on attaque le projet de manière globale, à partir de ce qui est décidé, et qu'on l'attaque de manière déconcentrée, et pas dans une agence parisienne, et pas dans des envois de missionnaires parisiens qui vont venir sur le territoire expliquer un petit peu hein, ce qu'il faut faire, repartir. Après avoir expliqué, évidemment, et là on est content de les voir arriver et ravi de les voir partir. Donc, ça, il faut aussi arrêter cela. Alors, il faut également simplifier tous les contrats. Là. Il y en a des dizaines contrats de réalité, contrats de ville, contrats de transition écologique, contrats euh, CPER. Enfin bon, je ne vais pas les citer tous parce qu'à peu près chaque jour qui passe, on en crée un. Euh, dans un ministère ou un autre, euh, parce que c'est bien la contractualisation en soi, mais que donc du coup, ben, il faut créer un nouveau contrat. Et puis il faut arrêter que le contrat, on attende la fin du, du dernier bouton de guêtre hein, pour pouvoir commencer l'action, alors qu'on est déjà prêt à faire une partie de l'action sur une, par une partie, une autre ou telle autre. Et alors quels sont les territoires qui doivent être effectivement dans la cible et le périmètre et bien Moi, j'ai tendance à dire tous. Il n'y a pas de raison. Tous concourent, évidemment, à l'avenir de la France. Tous ont des idées. Et en soi, évidemment, tous sont éligibles à cette politique de cohésion des territoires. Alors évidemment, on ne pourra pas tout faire tout de suite. J'en suis bien conscient. Évidemment, il faut avoir les financements. Je suis ravi de la création de la Banque des Territoires hier. Mais, mais euh, en dehors de ça, évidemment, il faut trouver le financement. On a quelques idées, on euh, reviendra dessus, il faut certainement faire euh, intervenir plus qu'aujourd'hui euh, les entreprises privées dans le financement d'un certain nombre de choses, mais en gardant quand même le pilotage puissance publique euh, élu État. Il faut donc, à notre avis, ce qu'il faut faire, c'est essayer en tout cas de renverser le mode d'aide ou le mode d'intervention de l'État sur les territoires. Totalement, inverser les choses. Deuxièmement, être à l'écoute, l'accompagnement des territoires. Lorsque c'est nécessaire, aider en matière d'ingénierie les communes ou les intercommunalités ou les bassins de vie qui en ont besoin. En s'appuyant le plus possible sur l'ingénierie locale, celle qui existe dans d'autres collectivités, l'agence technique départementale, j'en ai connu une en Seine-Maritime de près, ou euh, d'autres euh, interventions, le, évidemment la région, évidemment l'Interco, évidemment l'État, avec comme interlocuteur quasi unique le préfet ou les sous-préfets, je parle interlocuteur État pour les élus, évidemment. Et donc. Il faut en diffus ou en grouper, j'ai parlé de grouper avec l'action Cœur de ville par exemple. Ça c'est du grouper. il y a 222 villes qui ont été choisies, donc on est dedans et on participe effectivement à cette mise en place de cette action Cœur de ville qui a des financements qu'on a trouvés il n'y a pas si longtemps pour 5 milliards d'euros à peu près sur les cinq ans à venir. Évidemment. C'est surtout Action Logement et la Caisse des Dépôts. Et il y a aussi des programmes de l'ANA et de l'ANRI. Bon. Donc, et puis en diffus, parce qu'il y a un territoire particulier qui a un besoin ou un projet. Alors évidemment, il y a des territoires, on le sait bien, qui ont besoin aussi de rattrapage. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin qu'on les aide à transformer leur avenir. On parlait tout à l'heure de Smart Cities on parlait tout à l'heure d'accès au numérique, d'inclusion numérique. Ben, évidemment, tous ces territoires qui portent un projet d'innovation, il faut que nous les accompagnions. Quand je dis nous, c'est État et tous les acteurs locaux qui peuvent participer à cet accompagnement. Et donc, nous avons devant nous un certain nombre de transitions qui, euh, que nous devons réussir. La transition écologique, vous en avez parlé, on en a parlé dans le débat qui vient de, de, de se terminer. La transition numérique, évidemment. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette agence de cohésion des territoires, elle doit s'assurer que le programme qui est mené par la mission France très haut débit, par la mission France mobile ou par la mission Société du numérique, eh bien, ceci aille bien à l'endroit où il faut et que nous soyons les aiguillons. Pour prendre des engagements pour que ça se fasse dans les six mois, dans les huit mois, dans l'année, suivant la complexité du, du projet. Cette transition numérique, elle est évidemment aussi en lien avec Open Data. Je ne vais, vais pas y revenir, vous avez eu un long débat là-dessus. Il y a des spécialistes comme M. Levy-Weight hein, sur lesquels nous, euh, nous, nous nous appuyons et que je vais voir d'ailleurs la semaine prochaine. Mais comme il m'y a engagé tout à l'heure, il y a aussi évidemment la question des tiers-lieux. Et le programme qui a été annoncé, enfin qui va l'être en tout cas, par Julien de Normandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, avec cette réflexion aussi sur les maisons de service au public, sur les bornes d'accès numérique, sur l'inclusion numérique. Comment on s'appuie sur les jeunes Mais vous savez, pour les jeunes, parfois, euh, comment dire, remplir un CERFA, même quand ils sont habitués aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Ce n'est pas si simple. Hein. Et surtout un CERFA de l'État, et c'est un peu compliqué d'expliquer aux parents ou aux autres générations comment on remplit un CERFA qui n'est pas toujours intuitif. Quoi. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut vraiment s'assurer aussi de, comment on pourrait dire, de la modernisation de ce que nous demandons, nous, État, à la population en la matière. Parce que sinon, ça va avoir du mal. Nous avons aussi des espaces de coworking euh, que, sur lesquels, évidemment, nous devons travailler. Et donc, moi, je souhaite, je le dirai, puisque je dois rendre mon rapport de préfiguration euh, le, dans le, le 15 juin, donc dans, dans une quinzaine de jours, il faut que nous ayons un accompagnement de l'innovation, un accompagnement des territoires qui veulent faire de l'innovation en arrêtant de les balader d'un endroit à un autre. Et là, cette agence elle a un sens si elle ne crée pas un arbre de plus dans une forêt déjà touffue. Parce que si c'est pour créer un machin de plus, c'est pas la peine, je vous assure que je dirais que c'est pas la peine. Mais si ça répond à ce que je viens de dire, si effectivement on arrive à renverser les perspectives, si on arrive à vous accompagner, vous, et pas la, la façon dont on vous voit à Paris, eh bien ça sera un vrai progrès, je vous assure, pour l'avoir vécu moi-même. Donc voilà ce que je voulais vous dire très, très rapidement. Moi je suis ravi vraiment d'avoir répondu à votre invitation. Je suis ravi d'être sur ce domaine que je connais un peu pour ceux qui... Qui m'avait suivi, j'ai été directeur général des collectivités locales pendant trois ans. Alors ça, c'est la partie dotation de l'État, c'est la partie réglementaire. Je ne sais pas si on va ouvrir ce débat-là. Il y a prescription, j'y suis plus. Hein Et entre les deux, j'ai été préfet des Yvelines. Mais pour euh, pour vous dire, en plaisantant un peu, il faut bien que je finisse sur une note d'humour. Que j'étais donc directeur général des collectivités locales de juillet 2012 à août 2015 et que donc euh, s'il y a des remarques à faire sur la baisse des dotations de l'État, j'y répondrai tout à l'heure. Merci beaucoup et puis euh, bonne bonne continuation.